Ça, c'est Scaribaboon. En gros, c'est Gorilla Tag, mais en version horreur. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, ça fait vraiment peur. Et voilà, donc on se retrouve dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est similaire à Gorilla Tag. C'est juste qu'il y a des gros monstres effrayants qui font peur. Bon alors les gars, ça commence parfaitement. J'ai déjà bien failli me faire buter depuis le début. Alors, si vous voulez faire un AVC, c'est le jeu parfait. Allez, c'est parti, on va essayer de pas se faire choper une deuxième fois. Allez, c'est parti, on va essayer de pas se faire choper une deuxième fois. Donc les gars, j'ai trois objectifs. Donc déjà, le premier, c'est arriver à aller à la piscine. Une image s'affiche juste là. Deuxième objectif, arriver à esquiver au moins 5 monstres. Et troisième objectif, arriver à aller explorer le jeu tout seul. Donc les gars, on se dirige en direction de la piscine. A few moments later. Et ben voilà, premier objectif réalisé, on est à la piscine. Donc c'est assez bizarre, l'eau est rouge. Donc les gars, on va aller chercher des monstres. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Monstres, ah! En fait, c'est vraiment simple à esquiver les monstres. Hein. Oh, c'est passé près là. Ah, et même une sixième. Bon, alors les gars, des fois ça arrive de faire des excès de confiance. 90% de cette vidéo, ça va être moi en train d'hurler parce que je me serais fait bouffer par un monstre. Alors les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une pause café ou quoi? Ça, tu coupes, hein. Plus qu'à attendre là parce qu'à un moment, ils vont se remettre à bouger. Ah, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ils se sont remis à bouger. Wow, mais il a mangé un champignon de speed boost ou quoi, le monstre? Alors les gars, faut aussi que j'explore le jeu tout seul. Alors ça me fait quand même malgré tout. Alors les gars, changement de plan, on va pas explorer le jeu tout seul parce que j'ai trop peur. On va explorer le jeu à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a des salles de carton. Wow, on a une géante salle avec des étagères, on dirait. On a des étagères de partout. Wow, on est même plusieurs, mais c'est trop cool, les gars. Oh, mais hey, cette salle, c'est une dinguerie. Je comprends pas pourquoi il y a tout le monde qui va à la piscine et pas là. Mais les monstres, ils font trop peur. En fait, ils campent derrière la sortie. Bon, je pense que explorer le jeu, c'est réussi. Je vais remonter la porte. Vous avez vu comme je suis fort, les gars? Et le pire, c'est que c'est pas du tout en appuyant sur un bouton que la porte, elle remonte. Bon, en tout cas, les gars, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait trop plaisir et ça aide pour faire d'autres vidéos. Mon objectif d'abonnés pour cette vidéo, c'est 260. Et pour l'instant, je suis à 247 abonnés. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je cours quand il y a des monstres qui arrivent. De toute façon, les monstres, c'est des gros nulos. Bon, en tout cas, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je sais qu'elle aura été vraiment courte, mais si je mets trop longtemps, ça me met des heures et des heures et des heures et des heures de montage. Donc, on va se laisser là. Ciao tout le monde, c'était Valentino. À la prochaine!